Bonjour les cocos, aujourd'hui l'Antarctique de Simon. Un livre d'Adrien Albert. Ce soir, Simon n'arrive pas à s'endormir. C'est parce qu'il rentre tout juste d'un grand voyage en Antarctique. Il n'arrête pas d'y penser. C'était vraiment un très grand voyage. Pour aller en Antarctique, Simon a pris d'abord un train, puis un bateau, et enfin un avion. Et comme les avions ne peuvent pas atterrir sur la glace, Simon a sauté en parachute. Pile sur une assemblée de manchots empereurs. Mais ce n'était pas pour rencontrer les manchots empereurs que Simon avait fait tout ce voyage. C'était pour rendre visite à son ami Bob. Bob y vit et y travaille ici, en Antarctique. Il avait donné rendez-vous à Simon dans un bar. Un panneau fermé était accroché à la porte du bar. Pourtant, elle s'ouvrit quand même. Simon y entra. Dedans, personne. Simon attendit 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais pas de Bob. Simon n'était pas inquiet, mais il était très fatigué. Et il décida d'aller se coucher. Ça tombait bien, il avait pensé à prendre sa tente. Et au petit matin, Bob! Simon! Oh, Simon, désolé pour ce retard. Je t'expliquerai tout en route, mais dépêchons-nous de partir. Une tempête est annoncée. Et sur la motoneige, entre le bruit du vent et celui du moteur, Simon n'entendit rien des explications de Bob. Bob stoppa la moto, juste avant la base. Tiens, regarde, je suis certain que tu n'as jamais vu ça. Bob voulait montrer à Simon des yukimarimos. C'est des petites boules de givre formées par le vent. C'est à ce moment que la tempête de neige se leva. On n'y voyait plus rien. Pour ne pas se perdre, il fallut s'accrocher aux rambardes qui entouraient la base. Et dans la base, tout le monde était bien au chaud. Simon rencontra Jeanne, la sismologue, Alain, le géophysicien, Nadia, l'ornithologue, Pierre, le médecin, Luc, le météorologue, Karim, le chimiste, Alix, la responsable des rayons cosmiques, et Florian, l'interprète manchot humain. Bob, lui, était le cuistot. Simon n'oubliera jamais les bains dans l'eau froide. Les ballons-sondes, le trou à pêche, parfois occupé, les aurores australes et la tondeuse à neige. Et les copains de la base. Le temps des vacances est passé très vite. Pour le trajet du retour, Simon profita du passage d'un cargo. Et Bob et Simon se sont promis de s'écrire vite. Et demain, Simon reprendra son travail. Il retrouvera ses copains d'ici et leur racontera l'Antarctique. Oh, tiens, il neige. À son réveil, si les conditions sont bonnes, Simon trouvera des yukimarimos dans sa maison. Fin de...